C'est la 25e, puis l'objectif, c'était d'arriver avec un petit pétillant. Un petit quelque chose de plus sans dénaturer le spectacle. Donc, c'était un beau défi, un vrai beau défi. J'ai hâte de voir comment ça va être reçu parce qu'on a vraiment travaillé fort là-dessus. Ce soir, c'est vrai. Ce soir, là, on fait la générale de ce que demain soir sera la 25e saison de La Fabuleuse. Demain, ça part. C'est comme une deuxième famille, mais c'est une grande famille de La Fabuleuse. Donc, on partage tous la même passion, la passion de raconter l'histoire de la région, la passion de vivre une aventure extraordinaire sur la scène. D'un royaume, d'un autre royaume. Plus grand que la France! Oh! Plus grand que la France! Je dirais, c'est plus un spectacle que je fais, c'est rendu une drogue. J'en ai vraiment besoin, moi. Le 6 à 6, toute une journée, 6 par semaine, ça a l'air d'enfant. Quand tu vis pas le spectacle, qu'est-ce que c'est que d'être en arrière de la scène? C'est difficile de comprendre tout ce que ça peut demander. Quand il prêche, les vignes de l'église ont envie de pleurer. On n'a pas l'impression que c'est long, que c'est lourd. On a plutôt l'impression que ça va vite, que les journées qu'on passe ici, c'est des journées agréables. On a toujours hâte que les spectacles commencent. Ça passe vraiment vite. Puis à chaque année, c'est pareil. On arrive à la dernière, puis on se dit, mon Dieu, ça se peut pas, ça soit déjà terminé.